Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo mercredi. Le mercredi, c'est dépannage. On dit bonjour. 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 Bon, comme beaucoup de prestations de service, quand tu commences une prestation de service, tu commences déjà par mettre le gasoil. Donc à dépenser de l'argent avant même de gagner de l'argent. Donc là, c'est station service tout de suite. On a nos deux fidèles acolytes un petit peu endormis. Un petit peu quoi. Ah oui, c'était l'heure de la sieste et le dépannage s'est décampé. Donc. Aujourd'hui, c'est pas de la Renault, c'est du Volkswagen, du transporteur T4. Je pense que c'est un camping-car aménagé, hein. Je pense, hein, dans la région, c'est le feu de Dieu, les camping-cars aménagés. Mamie est en panne, mamie veut un dépannage peut-être. On arrive en deux petites minutes. Je connais pas le mec, donc on pourra pas bavarder comme d'habitude, tu vois, tu connais. On charge le T4. Théoriquement, ça rentre, hein, pas comme le X6. D'ailleurs, en parlant d'X6, j'ai merdé sur la. Quand j'ai fait le montage, il y avait une partie 2 où j'avais un collègue qui venait le chercher en toy, du coup. Et ça a merdé, j'ai plus la vidéo. Donc, il n'y a que la première partie, je m'en excuse par avance. Et voilà, bon, c'est comme cela ne tienne. Hein. On reprend tout de suite avec ce magnifique T4.
tourne un peu à droite. Là, c'est trop. Encore. Voilà. Une petite halte pour t'expliquer deux, trois petits trucs, parce que sur place, on n'a pas pu bien en découdre. Normalement, les véhicules, tu places toujours la partie lourde à l'avant. Là, t'as vu comment il était, c'était plus simple comme ça, donc on l'a pris comme ça. Il est beaucoup moins large qu'un X6. Il est sanglé ici. Et je voulais revenir avec toi sur le X6, qui n'a pas pu monter. Tu ne l'aurais pas cru, quoi. Et là, les T4, ça monte normal, quoi. Touareg, ça monte. Donc voilà. Il va à la casse. Je suis dégoûté. Il est arrivé, Jojojo. Tu t'es aperçu de rien parce que tu faisais dodo. Regarde ce qu'on a chargé. Un beau camion. Un beau transporteur. Bon, bah voilà. On est arrivé à la casse de Mouché Moussa à Perpignan. Très bonne casse ici, avec accès au parc libre. Et voilà, hein, ce transporteur qu'il y avait, il y avait des pneus neufs à l'arrière, bon, un peu craquelé. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Bonjour. Bon, là, ils avaient fait leur temps. Bon, de toute façon, avec la vidéo que je vais te sortir de mécanique T4, faut mieux qu'il aille à la casse. On veut plus le voir, celui-là. On veut plus le voir. Aïe, lourd. Bon, ce transporteur, je sais pas si vous avez remarqué, mais il m'a laissé une bonne mare là partout, de l'huile partout. Donc un petit coup de Karcher pour les usagers de la route. Ça fait toujours pas de mal là. C'est parti, on va karcheriser. Attention à vous. Allez, lavage à l'eau chaude. Après, j'aimerais bien parler d'un petit sujet tabou avec vous, le prix du dépannage. Quand le gasoil augmente, les dépannages ils augmentent pas, tu vois. Après, le lavage du camion, pareil, s'il y en a de l'huile et tout, c'est des faux frais, mais des faux frais quoi. C'est comment? C'est pas des faux filets, hein, faut les payer. Hein. Voilà, hein. Prends ça en note. C'est un investissement. Hein. Et là, pour la prochaine sociétaire, sa voiture ne glissera pas sur le plateau. Hein, mademoiselle ?